Bon les amis, je reviens de la récup. Donc aujourd'hui c'était plutôt une petite récup. Hein. J'ai pas trouvé beaucoup de variétés. J'ai trouvé des trucs, mais il n'y avait pas beaucoup de variétés comme il y a d'habitude. Bon, ça arrive des fois. Hein. Surtout en milieu de semaine comme ça, c'est plutôt vers le week-end qui jette l'essentiel. Donc retenez cette astuce hein, pour faire vos récup, concentrez plutôt en fin de semaine ou vraiment en début. J'ai essayé de tenir compte de vos conseils. Du coup, donc à savoir donner les dates limites de consommation quand c'était possible, donc ça j'ai essayé de donner. Et aussi le problème de son il vient du fait que je peux pas vraiment parler trop fort pendant la récup parce que il y a des voisins qui pourraient jeter des regards que j'ai pas forcément envie qu'ils jettent. Alors du coup je vais essayer d'augmenter le son au niveau du logiciel de montage, je garantis rien. Et dites-moi ce que ça donne, sinon j'essaierai de trouver un autre moyen, peut-être de brancher un micro qui est meilleur que celui que j'ai actuellement. Voilà, dites-moi vos retours dans les commentaires, et bon visionnage. Salut à tous, c'est Mefrigan, c'est parti pour une nouvelle récup. Alors, voyons ce qu'ils nous ont mis dans la benne aujourd'hui. Donc apparemment, ils ont vidé le rayon des animaux de compagnie. On a des gros paquets de pastilles. Malheureusement, je n'ai pas de chat. Alors, pourquoi ils les ont jetés? Aucune idée. Je vois pas de truc qui permet d'expliquer qu'ils les aient jetés. On a aussi de la litière, donc ça, elle était ouverte. Donc évidemment, ils l'ont jetée. Ça c'est des trucs de lave-vaisselle, donc là l'étiquette était un peu partie, ils l'ont jeté. Une salade mezzée chèvre. Date limite de consommation 20 octobre. Donc nous sommes le 22 aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Donc je ne vais pas la prendre. Un filet de rouge 200 grammes. 17 octobre, donc ça c'est vraiment périmé. Je vais aller voir dans une autre benne parce que dans celle-là j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose. Ah voilà, alors peut-être que dans cette benne c'est déjà mieux. Alors on a déjà un paquet de madeleine coquille, donc 1 kg de madeleine qui n'est pas périmé mais a été un peu ouvert, du coup ils l'ont jeté. Je vais le mettre de côté. Alors on a 600 g de saucisses chipolata avec une date limite du 21 octobre, donc hier, donc ça c'est encore tout à fait possible que ça soit bon. Alors, des danacoles avec une date de péremption du 24 octobre, donc ça sans aucun problème, vous pouvez les prendre et les manger même plusieurs semaines après la date théorique d'expiration. Morceaux de coque, alors la volaille ça se conserve très très mal, donc je vais même pas essayer. Là vous voyez 21 octobre et le paquet est bombé, donc un jour... Je pense que c'est pareil, pas la peine d'essayer. 21 octobre. 15 octobre. Ah non, on a consommé jusqu'à 21 octobre. Mais alors là, pas de paquet bombé. Donc ça peut encore être bon. Alors, morceau de corps encore. Moi, toute cette viande qu'on jette, ça me révolte vraiment. Foie d'agneau. Du 24 octobre, donc ça c'est bon. C'est à dire qu'à chaque fois il y a un animal qui est mort, et vraiment là c'est vraiment mort complètement pour rien quoi. Enfin. Alors, donc ça ce type de truc là, 19 octobre, mais alors ça ces trucs là c'est tellement chimique que vous pouvez les prendre, ça conserve vachement bien. Là on a un lapin. Là, je suis 19 octobre, donc ça va pas. Les steaks qui se sont
barrer de l'emballage. La dinde jusqu'au 22 octobre. Et le paquet est ouvert. On va éviter. Là, il y a plein de pâtes. C'est bête qu'elles ne soient plus dans un sachet. Alors là, des serviettes périodiques. Ça, ça ne périme pas. Ça c'est pareil, ça ne périme pas. Un super beau paquet de café. Et alors là, bon, pas évidemment, ça ne périme pas, donc ils ont dû jeter pour des raisons de. Ah bah si, il a passé la date de péremption, donc voilà pourquoi ils l'ont jeté. Mais bon, c'est complètement idiot de mettre une date de péremption sur du café. Jus multivitaminé. Jus de grenade. Alors, encore resté caché. Trip à la lyonnaise. 16 octobre. D'accord. Alors voilà. Est-ce que j'ai encore trouvé un poulet? Ah, il est moins bien que la dernière fois, celui de la dernière fois était à 12 euros. Celui-là est seulement à 5,72€ pour le même poids. Et il est du 26 octobre, donc c'est sûr qu'il est encore bon. Enfin, je pense, il y a une grande chance, je vérifierai après, mais je pense. Donc vous voyez, là ce soir, je récupère surtout de la viande. Hein. C'est un peu. La récup, c'est un peu la nourriture que vous choisissez, quand vous choisissez la nourriture. Donc comme des fois c'est des bonnes surprises. Ça, voilà, ça je le prends tout le temps parce que des trucs qui périment pas comme ça, qui peuvent toujours servir à quelqu'un. Pas à moi bien entendu, mais. Là pareil, oui, il y en a encore. Donc ça ils les ont jetés parce que quelqu'un a ouvert, on a pris deux et voilà, ils le jettent quoi. Des œufs de caille. Ça, ça m'intéresse pas. Encore des steaks. Alors, voyons voir ce qu'on a de ce côté-ci. Encore des serviettes. Alors, c'est vrai que c'est pas des pâtes, mais c'est en dehors de paquet. J'aimerais bien récupérer les pâtes. Voilà, j'ai retrouvé un burger Charal avec une date limite du 19 octobre, ça c'est ok. Ah, j'aperçois un poulet en dessous des pâtes et du yaourt. Alors j'essaie de le récupérer. Au passage, je viens de trouver viande hachée du 24 octobre, donc c'est encore bon. Et là, voilà, le poulet. Et le même que la dernière fois. La même... Ah non, pas la même marque, mais même prix. Donc il doit être tout aussi bon. Et il est du 21. Ouais, donc c'est un peu limite. Là, des Actimel. J'en prends un. Voilà, donc les Actimel ils ont jeté parce que le pack c'est sûrement une façon de mettre des fruits. Saut des beaux méga sandwich du 21 octobre, donc ça c'est sûr que c'est encore bon parce que vous voyez ce truc là c'est blindé de trucs chimiques. Ok, bon. Moi j'en ai assez pour ce soir. Mais... Voilà, maintenant on va pouvoir faire un petit briefing de ce que j'ai récupéré.
Je vous l'avais dit, pas mal de viande, hein, donc plusieurs paquets de steaks hachés qui sont tous du 21 octobre. Pareil pour les chipolatas. Le foie est du 24 octobre. Les deux charales, eux, sont du 19 octobre, mais ça se conserve très bien. Les poulets ici, donc un du 21, un du 24, donc celui-là normalement on est large, celui-là c'est possible qu'il soit plus bon. Ensuite donc les yaourts qui sont tous de novembre, donc aucun problème, ils ont juste été jetés pour des défauts d'emballage, sauf ceux-là, 24 octobre, donc ils sont encore bons largement. Bon, le café, je considère qu'il ne paye pas, même s'il y avait une date limite de consommation de mai 2019, donc ils l'ont laissé traîner un moment dans le magasin avant de le jeter. Et après, on a tout simplement les serviettes périodiques. Bon, là, c'est sûr qu'il n'y a pas de risque que ça périme. On a aussi les Actimel, donc qui sont le 30 octobre, donc potentiellement périme dans quelques jours. Mais bon, j'aurai le temps de les boire d'ici là, et puis je suis pas sûr que ça périme vraiment. Et le sandwich, pareil, du 21 octobre, mais aucun problème, ça pour le manger. Donc voilà, comme je disais, une petite récup, parce que j'ai récupéré principalement de la viande et quelques yaourts. Et donc, voilà, il manque pas mal de fruits et légumes, du coup demain, je vais essayer de passer au marché. Voilà, à bientôt pour une prochaine récup. Et voilà, donc comme promis, je vous ai fait la récup de fruits et légumes ce matin, suite à la récup d'hier soir. Donc là, qu'est-ce que j'ai récupéré? Pas mal de tomates. On va pouvoir faire de la sauce tomate parce qu'elles sont un peu abîmées. J'ai récupéré pas mal de poires, pareil, de la compote parce qu'elles sont assez abîmées. Il y a 5-6 kilos hein, facilement de haricots verts. On a récupéré. Comment ça s'appelle ça? Des brugnons. Des brugnons, plein de Non, c'est des brugnons. pêches, Non, des pêches, on ne sait pas. Bon, des fruits. Mais si, ça c'est des brugnons. En tout cas, il y en a beaucoup. Encore des poires, des poivrons, d'autres brugnons, des avocats, des aubergines, des pommes, des piments, oui, pas mal de piments. Enfin, ah, peut-être des nectarines, on ne sait pas. Et un oignon, un fruit ou un légume, on ne sait pas ce que c'est. Voilà, enfin, plein de trucs sur cette récup. Voilà. Et ça nous a pris 20 minutes, à peu près.